Eh bien, qu'en est-il? Je crois que ça ne va pas te plaire. Oh, allons. J'ai hérité de la solide constitution des Haberlin. Toupenny est en train de piller la banque d'Angleterre. Le gouverneur de la banque? Je crois que je ferais mieux de m'asseoir. Ce n'est pas le moment, cette crapule doit être en train d'accéder au coffre. Peu importe comment vous entrerez, je ne veux rien savoir. Bien sûr. Mais sais-tu comment on peut entrer? Cette banque protège les réserves d'or de l'Angleterre. C'est une forteresse soigneusement gardée. Il y a bien le directeur, Monsieur Osborne. Il est le seul à accéder librement au coffre. Vous le trouverez près de l'entrée. Ah oui, j'oubliais. Un homme est toujours de faction. Il surveille la porte du coffre comme un vautour lorgne sur une charogne. S'il vous voit, il la refermera. Le capitaine des gardes, Gus Howard, connaît très bien Toupenny. Il est dans le coup. Monsieur Fry, faites preuve de discrétion. Le seul moyen d'inculper Toupenny est de le prendre sur le fait. Ne le mettez pas en danger, rien de théâtral. Il s'agit de la Banque d'Angleterre. Si vous avez des ennuis, je serai dans l'atrium. Déguisé. Toupenny ne quittera jamais ce coffre. Où est Toupenny? Pitié! J'ai une famille! Il est au coffre, à regarder ses précieux tableaux!
j'espère. Tout ça plus tard. Vous ne volerez plus un seul shilling au peuple de Londres. Ces idiots dilapident leurs économies. Nous sommes les experts de l'investissement.
Rien ne serait créé ou amélioré, rien ne sortirait de la boue sans notre sublime clairvoyance. Nous sommes les créateurs de l'avenir. Ils en profitent à hauteur de ce qu'ils veulent. C'est leur ville, pas la vôtre. Sans nos investissements, cette ville n'existerait pas. Pour le passeur des morts. Nous sommes sauvés! Arrêtez-les tous! Pour avoir volé le peuple d'Angleterre! La Banque d'Angleterre est fermée jusqu'à nouvel ordre. Notre monnaie est la risée de tous. L'inflation galope et Toupenny a été victime d'un meurtre brutal. Pourtant, le Parlement ne fait rien. La loi ne passera pas, monsieur. Disraeli ne sera bientôt qu'un souvenir. Tout est arrangé, je le jure sur mon honneur. Votre honneur ne pèse pas bien lourd. Comment osez-vous, monsieur? Les pauvres de cette ville ont assez souffert. Je viens d'accorder à tout mon personnel une augmentation pour contrer l'inflation. Quoi? Si je le pouvais, j'approvisionnerais tout Londres. Alors que vous, vous vous contentez de rester assis dans votre club à faire des promesses que vous ne pouvez honorer. Votre famille, en revanche, je me demande combien elle paierait pour que votre nom ne figure pas dans les journaux.
autant que Disraeli offrirait pour vous faire châtrer. Mais soyons généreux. Pourquoi se limiter à une chose quand on peut tout avoir? Alors, qu'en dites-vous? Dois-je passer à l'acte? C'est bien ce que je pensais. Le Parlement doit être libre de gouverner, sans entrave. Me suis-je fait comprendre? Je ne vous retiens pas. Cher Monsieur Starik, hommes engagés, attaque demain, la mort de Disraeli repoussera s'inédier la loi sur la collusion. Gladstone sera nettement plus docile. Puisse le père, etc., etc., signé B. Ainsi, Starik se mêle aussi de politique. Je dois m'infiltrer au Sinopin Club afin de découvrir qui est ce B. Sois discret aux abords du Parlement. Ne suis-je pas toujours discret? Ton grand numéro à la Banque d'Angleterre a failli faire s'effondrer la livre sterling. Je ne l'aurais jamais permis, ma chère sœur. Mais en parlant d'effondrement, qu'en est-il de cette clé qui n'ouvre rien? Henry est en train de l'étudier. Je suis sûre que nous trouverons la crypte. Ta confiance t'honore, Evie. Vraiment. Une lettre? Pour moi?